Bonsoir mes chers amis, bonsoir, ravi de vous retrouver comme tous les soirs. Alors ce soir, je vais évoquer plusieurs sujets, si on a le temps, le Bataclan à la fin, mais sinon je vais parler de François Asselineau, et puis les informations habituelles, hein, fraîches, chaudes, fraîches, c'est comme vous voulez, avant les merdias en tout cas. Voir, il y a certaines informations que vous ne verrez jamais dans les merdias, parce que comme je n'arrête pas de vous l'expliquer, les merdias filtrent énormément. Hein, il y a un entonnoir, il n'y a pas grand-chose qui passe au final. Voilà mes chers amis, alors j'ai une petite surprise. Alors n'hésitez pas à partager dans vos groupes, moi-même, donc je suis en train de finaliser pour que cette publication apparaissent sur mon principal, sur mon Facebook principal, mon ancien Facebook. Là, je suis sur un Facebook de secours, donc forcément, j'ai beaucoup moins de contacts. Il y a beaucoup de mes contacts qui me disent comment c'est lorsque tu passes. Voilà, beaucoup de monde me dit on n'arrive pas à savoir quand est-ce que tu passes. Donc c'est pour ça. Si vous le permettez, j'ai trouvé un moyen détourné de faire apparaître donc la publication sur ce Facebook de secours sur le Facebook principal, hein, en taguant le Facebook principal, j'arrive à la faire apparaître. Donc voilà, je vais faire ça. En attendant, je vous propose de découvrir mon chien, hein, que vous avez dû voir dans des photos, Iori. Hein, son prénom c'est Iori, on peut l'appeler avec le diminutif Yo-Yo, et là je vous le mets à l'écran, regardez, donc si vous êtes d'accord, bah, il va nous accompagner le plus possible, regardez il est là, c'est le tas noir là que vous voyez ici couché, le gros tas noir là, qui veut s'approcher, il adore les doudous, donc il veut toujours piquer ces doudous là. Voilà, il adore les doudous. Il a ses doudous à lui, hein, mais il aime les doudous, ce chien. Voilà, donc je peux guider, comme vous voyez ici. Je lui ai fait une caméra dédiée rien que pour lui. Et donc on pourra. Même j'ai préparé des bruitages de chiens, on pourra bien jouer avec. Voilà, là pour l'instant il est calme, on va en profiter parce que il fait quand même pas mal de bruit. Hein. À un certain moment, si ça fait trop, je le mettrai dehors. Bon, en attendant, de mon côté, donc je vais juste faire apparaître donc cette publication sur mon Facebook principal, comme je vous ai dit, donc je vous demande juste un instant. Voilà, je vais vérifier bien entendu que ça marche sur le Facebook de secours, mais normalement il n'y a pas de raison. Normalement vous êtes là. Hop. Voilà, je vous vois, je m'entends, tout va bien. Hop. Donc je vous ai dit. Je traiterai le sujet François Asselineau, hein, et d'autres sujets. N'hésitez pas à partager dans vos groupes. Moi-même, donc, je ferai quelques partages. Là, j'essaye de faire apparaître cette publication sur mon Facebook principal qui est donc bloqué pendant 30 jours pour rien du tout. Hein. Une vidéo. Où on voit pas le visage de la jeune femme qui a été donc brutalisée par la police et carrément mise à poil. Et je veux dire, pourquoi cacher? Pourquoi cacher? C'est la vérité, hein, faut pas la cacher. Hein. Et il est arrivé quoi aux policiers qui ont fait ça? Hein? Est-ce qu'ils ont été eux mis à pied? Est-ce qu'ils ont été interdits pendant un jour d'exercer? Eh non. Eh non, malheureusement. Alors ça, on va mettre ça comme ça. Voilà, normalement là je l'ai fait apparaître la publication, donc ça on va poser. Donc je redis un mot concernant notre malheureux
Gilet jaune, donc Jérôme Rodriguez. Je répète ce que j'ai dit hier. Alors j'ai vu plein de réactions. Ce n'est que du positif. Toutes les réactions vont toutes dans le même sens en disant on ne peut plus s'arrêter désormais. Il y a eu trop de morts, trop de blessés. Les autorités nous narguent parce qu'elles maintiennent que on ne sait pas. Non, c'est pas les CRS, non, c'est pas des LBD, c'est pas une grenade peut-être une grenade de désencerclement, on sait pas. Non, c'est pas la police. Donc voilà, c'est là il est clair que nous sommes tous d'accord que cette révolution, nous devons la mener jusqu'à son terme. Pour nous, pour nos enfants, pour nos frères et sœurs passés qui ne sont plus de ce monde, nos frères et sœurs futurs et présents, et aussi pour ces héros de cette révolution qui ont perdu dans l'affaire un œil, une main, qui ont été blessés, qui sont traumatisés pour certains psychologiquement, pour beaucoup physiquement, et il y en a pas mal, enfin une douzaine au minimum qui ont laissé leur vie. Voilà. Et il faut absolument donc qu'on réinstaure une justice dans ce pays. Hein, parce que je vous le répète, n'allez pas demander un RIC ou que sais-je de revendication à partir du moment où la base, les fondations ne sont pas valables, c'est-à-dire que la justice dans ce pays ne fonctionne pas. C'est pas un problème de loi qui sont mal comprises, qui sont mal faites, etc. Pas du tout. C'est un problème de juge. C'est-à-dire que si les juges eux-mêmes ne prononcent pas la loi, n'appliquent pas la loi comme elle a été pensée, et qu'à chaque fois ils trouvent un subterfuge pour ne jamais rendre la justice au nom du peuple et au nom des lois, de manière impartiale et pas entre confréries, eh bien, vous ne pouvez rien mettre en place, ça ne sert à rien, c'est de la perte de temps. Nous en avons perdu assez comme ça de temps, vous ne trouvez pas? De mai 68, la dernière fois j'avais fait un mauvais calcul, j'ai dit on s'est assis pendant 40 ans, eh bien, c'est 50 ans en fait. De 68 à 2018, 2019, ça fait 50 et pas 40. Donc voilà, vous voulez qu'on se rassoie encore pendant un demi-siècle? Déjà nous, on ne sera plus de ce monde, hein. Mais c'est ça que vous laissez à nos enfants? Vous voulez laisser à nos enfants? Et au suivant, on ne peut pas s'arrêter aujourd'hui à un RIC, à un pouvoir d'achat, ils peuvent tripler le SMIC s'il le faut, ils peuvent mettre l'essence au prix de l'eau s'il le faut, s'ils veulent. Mais ce n'est pas un objectif pour nous. Hein. Nous sommes des êtres humains et nous valons beaucoup plus que des clopinettes et des revendications économiques. Et en plus, ils se moquent de nous. Vous mettez tous les merdias, ça ne parle que de thunes, d'économies, de taxes, de démonstrations, encore une fois, financières. Ça n'est que ça. Et bien entendu, les sujets habituels, c'est je défends les femmes, je défends les pauvres, je défends les homosexuels, parce que là, c'est du pain béni, hein, ce pauvre enfant Bilal, qui, dès qu'il a été donc propulsé, bien entendu, il n'y a rien de naturel là-dedans. C'est comme les équipes de foot qui gagnent des coupes, hein, il n'y a rien de naturel. Donc, dès qu'il a. Avant même qu'il soit donc sélectionné pour représenter la France, déjà ils ont préparé déjà les associations pour faire de l'affichage, soi-disant qu'elles vont se plaindre des attaques soi-disant homophobes d'Internet, toujours dans le même but de faire des contre-feux, c'est-à-dire on va s'occuper maintenant, nous on n'a pas le droit de réagir, on regarde. La personne, je veux dire, c'est pas une personne, on va dire, classique, hein, je suis désolé, hein. À première vue, il faut y regarder de très très près pour dire, ah d'accord, c'est un garçon
qui est déguisée ou que sais-je, qui s'est foutue en fille, enfin, on a le droit de réagir, on a le droit de commenter. Hein, vous voulez quoi? Vous voulez nous mettre plus que des sparadraps sur la bouche? Vous n'avez qu'à ne pas l'exhiber, parce que c'est vous. À partir du moment où même la personne devient publique comme votre serviteur, enfin, je vais dire, je m'expose. Hein, à la critique. Et si ma tête ne revient pas à certains, et si mon discours, et si, je sais pas, le mur derrière, il n'a pas la bonne couleur pour certains, mais je n'avais qu'à ne pas m'afficher, hein? Personne ne m'oblige. De la même manière pour ce garçon. Donc, les commentaires sont légitimes, la critique est légitime, et c'est pas parce qu'on trouve que c'est une catastrophe, ce garçon, ce qu'il en est, ce qu'il est devenu, hein, il le porte sur son apparence physique. Hein, si, on a le droit de dire que c'est malheureux, qu'on n'aimerait pas voir notre enfant devenir ainsi. On a le droit de le dire. Notre garçon, on n'a pas envie qu'il devienne ainsi. Et ce n'est pas homophobe que de dire ça. D'accord? Ce n'est pas homophobe que de dire ça. En tout cas, moi, je l'ai dit. Et de toute façon, ça permet, encore une fois, la franc-maçonnerie, donc, injecte des controverses comme ça pour faire contre-feu. Et un autre sujet. Pour faire contre-feu aussi, vous avez toujours les sinistres des égalités femmes-femmes qui ne servent qu'à ça, qu'à faire des contre-feux. Là, donc, on a une pointure, ce qu'il n'y a pas, hein, qui a écrit un livre qui dit « Les filles bien n'avalent pas », ça déjà, ça pose le personnage. Et donc, soi-disant, je vous ai montré la photo, soi-disant, que quelqu'un aurait tagué donc ce qu'il n'y a pas au bûcher, d'accord? Mais moi, je vous le dis, hein, je ne prends aucun risque en disant ça. Qu'ils m'attaquent, je le dis. C'est eux-mêmes qui ont écrit ce tag. Il y a la main du pouvoir, il y a la main du gouvernement. Ils fabriquent. Hein, ils fabriquent les fake news, ils fabriquent les problèmes. C'est pour justement imposer que ce soit ce débat-là et pas autre chose, ces problèmes-là et pas autre chose, pour justement cacher le reste. Hein, c'est une technique très courante dans laquelle la franc-maçonnerie excelle, et c'est pour ça que vous n'arriverez jamais, tant qu'on n'assainit pas les institutions, tant qu'on chasse pas de nos institutions tous les francs-maçons, on ne pourra pas entreprendre quoi que ce soit. Du type RIC. Vous ne pouvez pas, parce que vous avez des gens très malins, très organisés, et qui, par des moyens détournés, arriveront de toute manière à écarter les sujets les plus fondamentaux, comme la guerre, comme la sortie ou pas de l'Union européenne, etc. Ils arriveront toujours à les écarter en mettant en avant, en noyant le paysage médiatique avec des faux débats et des faux problèmes. Donc je vérifie, mes chers amis, parce que je vois que ma connexion souffre. Vous comprenez bien, vous pouvez faire le lien. Je vais voir ce que je peux faire. Je vous demande un instant. Alors, voilà, là normalement, ça devrait aller. Alors, normalement, ça devrait aller mieux là. Je règle le problème, mes chers amis. Merci de votre compréhension, comme on dirait sur.
dans les transports en commun. Je règle le problème et je suis à vous. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, je suis là, mes chers amis, hein. Je suis là. Je le vois que la connexion est très mauvaise. Je le vois, mais on va y arriver. On va y arriver. Alors, j'attends un petit peu. Normalement, il n'y en a plus pour l'an. Alors, c'est ainsi, hein. Cette galère, donc pour la connexion. Donc ça n'arrête pas de couper, hein, je le vois bien malheureusement. Alors, au moins, j'ai réussi à maintenir la connexion. Hop. Alors on va patienter. On va patienter. J'ai réussi au moins à faire en sorte que la connexion reste là. Alors. Essayer d'économiser sur la bande. Hop. On va diminuer au maximum. Tut-tut-tut. Voilà, on devrait y arriver. Est-ce que ça va mieux? Ça a l'air galère encore. Bon. Donc ça c'est le chien qui ronfle. Alors, je vais vous le mettre à l'image. De mon côté, je vais voir si je peux faire quelque chose. Bon, bah, vous voyez, hein, je suis attaqué, hein, comme d'habitude. Comme d'habitude.
Je suis attaqué. Comme d'habitude. Je suis attaqué. C'est pas grave. Je vais y arriver. Malgré eux, je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, ça, pareil. Ici, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est pareil, on arrête. Alors, est-ce que ça s'arrange? Alors, je vous mets le chien en attendant. Le chien qui est en train de dormir. Comme vous le constatez, je ne sais pas si vous arrivez à constater, je surveille ma connexion. Je surveille ma connexion. Je regarde ce que je peux faire et je suis là. Alors. Bon, lui, au moins, c'est rare, hein, que le chien soit calme comme ça, c'est rare. Au moins, là, il est calme. Ensuite, je vais vérifier par ici. C'est malheureux, mais c'est comme ça, mes chers amis. C'est la censure. On attaque ma connexion. Mais il n'y a pas de souci. Asselineau, j'en parlerai. Hein. J'en parlerai. Et tous les autres sujets. Hein. Alors ça, c'est bon.
Est-ce que je suis encore connecté? Bon, je suis encore connecté. Vous êtes... Je vois que vous êtes quelques-uns courageux à être là. Alors, pour l'instant, ça se maintient. Pour l'instant, la connexion se maintient. La connexion est tellement attaquée que je ne sais même pas si vous êtes là, si je ne suis pas coupé. N'hésitez pas à m'écrire si vous me voyez. Je vois. Ah voilà, là, c'est là où vous voyez mon chien. Alors, qu'est-ce que ça donne? Là, c'est bon. Là, c'est bon, mes chers amis. C'est bon, ça a repris. Donc là, les problèmes devraient être résolus. Allez, les problèmes devraient être résolus. Alors. Je vais... Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Je suis attaqué de partout, je le sais. Mais là, est-ce que ça va? Là, pour moi, normalement... Là, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Est-ce que c'est bon, c'est réglé pour vous? Est-ce que c'est réglé pour vous? Alors, est-ce que c'est réglé? Pour moi, c'est réglé. Voilà, ce que je vous propose, c'est, vu que cette vidéo cela, il a été massacré et que là, j'ai rétabli les choses. Je vous propose de couper et de repartir sur un live pour que ce soit
facile à regarder pour ceux qui voudront rattraper le live à un autre moment. Je vais faire ça, mes chers amis. Donc là, je vois que vous dites que c'est bon. Pour moi, je vois que là, j'ai rétabli la situation. Tout est bon. Je coupe. Je coupe, je coupe, je coupe, je coupe et je relance un live comme ça, on démarre sur du propre et comme ça sera pas difficile à regarder pour les autres. Allez, je coupe et je redémarre. Hein, je redémarre dans, disons là, il est 23h12, je redémarre à 23h15. Restez connectés, préparez-vous, je redémarre à 23h15. Allez, à tout de suite. Voilà mes chers amis, donc j'ai refait un live parce que le live précédent a été attaqué par la censure, là où ma connexion normalement n'a aucun problème, eh bien j'ai été attaqué, j'ai eu ma connexion par terre et donc j'ai préféré couper et refaire un live. Voilà, donc je vais parler de François Asselineau et si on a le temps, à la fin, on parlera du Bataclan. Je reviens pas sur ce que j'ai dit pour moi. Il faut, avant de faire n'importe quelle revendication comme le RIC ou de demander de l'argent, etc. Plutôt que de perdre encore 50 ans parce que en mai 68 la révolution n'a pas été jusqu'au bout et on a perdu là un demi-siècle parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'on n'a rien gagné. Eh bien, plutôt que de demander encore une fois des revendications financières, économiques, ce qui importe, c'est les revendications concernant notre vie, nos enfants, les revendications concernant le sujet de la justice, parce que les lois de ce pays ne sont pas appliquées par ceux qui sont supposés les prononcer. Les juges n'appliquent pas les lois. Donc c'est une vaine perte de temps que de croire que de nouveaux instruments comme le RIC vont régler le problème parce que
Les règles du jeu ne sont pas respectées. Là où vous pensez que la réglementation sera appliquée, où vous avez tort. Hein, les juges font ce qu'ils veulent. C'est la réalité. Hein, ils tournent autour des lois. Et les lois pour eux ne forment aucune limitation. Donc voilà, on va. Donc n'hésitez pas à partager. Moi-même, donc je prends un instant pour faire un partage donc sur mes groupes. De toute façon, ce que j'ai dit tout à l'heure, eh bien, je le collerai. Hein, je le collerai plus tard, donc lorsque je mettrai la vidéo à nouveau. Je vérifie donc que je suis connecté partout. Je fais les partages. Je vous remontre en attendant mon chien, hein, donc Iori. Je ne sais pas si ça a capté, si vous avez bien pu le voir tout à l'heure. Voilà, regardez, c'est Iori. On va peut-être lui lancer une balle tout à l'heure pour qu'il réagisse, parce que là, il réagit pas du tout. Alors, je finis de faire les partages. De mon côté, hop, et je suis à vous dans un instant. Ça c'est fait, hop, on va parler donc de François Asselineau. Et bien entendu, les informations que vous ne verrez pas pour la plupart, hein, tout de suite dans les médias, voire certaines vous ne les verrez jamais, eh bien, ça fait partie de notre soirée. Voilà, alors tiens, on va lui lancer une petite baballe, voir s'il réagit. Il l'a vu. Il l'a vu. Là, il sait pas s'il a le droit de la prendre ou pas. Parce que si je le laisse faire, il aurait ramassé depuis longtemps les doudous derrière des enfants. Il la regarde, et à mon avis, il va s'en approcher petit à petit. C'est sa technique. Donc là, il fait mine de rien. Voilà, il est en train de se tâter. Regardez. 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 Il sait qu'il n'a pas le droit de trop se balader. Regardez comment il s'en approche. Il tente une approche, ni vu ni connu. Voilà. Moi, je ne l'ai pas vu. Personne ne l'a vu. C'est quoi ça? Donne. Donne. Donne la balle. Donne la balle. Tu donnes. Donne la balle. C'est bien. Allez, tu vas sur le tapis. Sur le tapis. Sur le tapis. Voilà, la balle, elle est là. Non, tu vas sur le tapis. Sur le tapis. Sur le tapis. Tu vas sur le tapis. Dépêche-toi. Bon, ben là, je l'ai provoqué. C'était le jeu. Eh ben, c'est pas grave. Là, vous le voyez bien, hein, il est beau, hein, c'est un labrador. Il aura bientôt 1 an, donc fin avril. Allez. Voilà. La balle, elle est là. Il sait la rapporter. Donc voilà, on va parler de François Asselineau, on va parler de
plein d'autres sujets. Alors, est-ce que la connexion, ça va? Alors, je vais quand même vous saluer, hein. Sabrina Bertir, bonsoir. Vous avez souffert avec moi ce soir, c'est la moindre des choses. Élise QT, toujours présente. Merci Élise pour toute l'aide que tu m'apportes et le soutien. Et toi et les autres, hein, je vous considère franchement comme mes anges, comme des anges. Hein, nous sommes tous solidaires, nous sommes les anges les uns des autres. Élise, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Teddy Colin, pareil, bonsoir. Gibrel, Gilbert Chabrol, pardon, pareil, bonsoir. Kevin, tu as changé ton compte, donc c'est devenu Kevin MK Centu. Eh bien, bonsoir et merci pour ton aide et merci pour la publication donc, qui m'a énormément touché que tu as fait sur le groupe Gilets Jaunes. Donc, où tu conseillais à tout le monde de venir voir les informations que je diffuse. Merci beaucoup. Bonsoir Olivier Poco. Bonsoir Roland Dumont, ma chère amie. Toi aussi, tu m'aides beaucoup. Et Mylène Chosy aussi, bonsoir. Voilà. Bonsoir tout le monde. Sunshine San, tu m'aides beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, là on est entre nous en fait, hein. On est juste 10 personnes, on est entre nous. Il y a les partages visiblement qui marchent pas tant que ça. D'habitude j'arrive à partager, mais je pense que là c'est pareil, hein. J'ai été bloqué parce que ça ne fonctionne pas trop. J'ai partagé tout à l'heure, ça n'a pas l'air de marcher. La censure, c'est exactement ça. Alors toi aussi, effectivement, Kevin, j'ai vu que tu as été censuré. On est massacré par la censure, on est massacré. Alors, beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous montrer. Je me suis beaucoup exprimé sur le live juste avant, là, qui a été massacré donc par les coupures. Je ne vais pas revenir là-dessus, juste pour rappeler que Jérôme Rodriguez, ce n'est pas une erreur de visée qu'il a subie, ce n'est pas un accident ou un incident, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce que a subi Jérôme Rodriguez, c'est un attentat. C'est un attentat terroriste. Et oui, parce qu'il y a le terrorisme d'État aussi. Nous le vivons en permanence, le terrorisme d'État. Et là, il s'est manifesté plein de fois comme ça. Et là, il s'est remanifesté encore par un attentat. C'est un attentat qui a été donc qui a visé Jérôme Rodriguez. Pourquoi? Parce que la nature des attentats, les attentats terroristes sont faits pas forcément pour cibler une quantité précise de personnes pour les éliminer donc de la face de la Terre. Non, l'attentat d'abord c'est fait pour impressionner tous les autres qui regardent. C'est fait pour les dissuader. Là, dans le cas présent, dissuader les autres gilets jaunes et le peuple qui regarde d'aller manifester pour impressionner, pour faire peur. Hein. C'est le but du terrorisme. Hein. C'est le terrorisme, c'est son but. Et il n'y a pas un autre qualificatif pour ce qui s'est produit. Tous les éléments, les vidéos, les témoignages, les faits, hein, cet homme, vous ne pouvez pas le louper. D'accord? Avec sa barbe, son look qui est très particulier, vous ne pouvez pas le louper. Et en plus, il est là tous les samedis. Et pas à s'éparpiller dans tout le pays. Sur Paris, tous les samedis, là où à chaque fois c'est organisé. Donc soit les Champs-Élysées, soit là c'était Bastille. Donc
C'est un mensonge. En plus, ils ont essayé de faire croire qu'ils ne le connaissaient pas, etc. C'est une honte. C'est même la preuve. C'est la preuve que ils veulent dissimuler cet attentat. Hein. Parce que dire qu'ils ne le connaissent pas, alors qu'il est là, présent tout le temps, et qu'il filme, et qu'il a été contrôlé plein de fois, et qu'il a une barbe, voilà, et qu'en plus, il a rien sur lui, il était en train de filmer, ce n'est ni plus ni moins qu'un attentat. Voilà. Un attentat terroriste. Alors, on va donc passer au sujet de François Asselineau. Alors, j'avais pas prévu à la base donc de parler de François Asselineau, mais j'ai un ami donc voilà. J'ai un ami que je vais vous montrer donc ce qu'il m'a écrit. Et du coup, je veux donc éclaircir cette situation pour tout le monde. Alors voilà. Je vais mettre donc ça, ce que cet ami m'a envoyé. Je vais mettre ça à l'écran. Et je vais vous expliquer donc ce qui se passe par rapport à François Asselineau. Alors, ça c'est mon chien qui ronfle, hein, chers amis. Ce que vous venez d'entendre, c'est mon chien qui ronfle. On va pas lui en vouloir. Déjà, c'est un chien. Et puis en plus, c'est moi qui l'ai amené ici pour vous le présenter. Donc voilà, celle-là, je pense que c'est bien comme ça pour que vous puissiez regarder la publication sans non plus dévoiler tous mes contacts. Voilà. On va faire ça comme ça. Regardez. Et donc, mon ami dont je vous parle, c'est Mahieddine Karout. Et donc, regardez, hein, il m'a envoyé beaucoup de lectures. Allez, on va lire. Bonjour, je suis adhérent à l'UPR et. Ça probablement tu l'as deviné à travers ma question émanant de ma conscience. Parce que précédemment, Mahedine m'a posé une question en me disant que penses-tu d'Asselineau? Est-ce que c'est vrai que c'est un cheval de Troie? Et je lui avais répondu, la réponse est dans ta question, donc oui, effectivement, c'est un cheval de Troie parce qu'il colonise les esprits. De bonne foi pour leur faire croire qu'il est du bon côté, en tout cas qu'il est dans la dissidence, dans l'antisystème, etc. Alors qu'il n'en est rien, c'est un peu comme François Hollande qui se fait passer pour quelqu'un de gauche ou pour quelqu'un qui combat dans l'ennemi, c'est la finance, et puis vous connaissez après la suite. Donc voilà, c'est la technique des francs-maçons, hein, de cacher leurs intentions et d'utiliser la tromperie. Je n'accepte pas d'être marionnette des francs-maçons. De surcroît, beaucoup donc de youtubeurs sont. Alors, et donc cet ami, il a écrit à l'UPR. Comme il est adhérent, pour demander des explications. Et là, on a donc son mail. Bonjour. Alors lui, il a écrit. Ça, c'était ce qu'il a écrit. Et la réponse donc de Pierre Claes, c'est apparemment quelqu'un qui lui a répondu, un cadre de l'UPR. Bonjour, très cher adhérent. L'UPR salue l'initiative de nous avoir contactés. Voici ce que François Asselineau pense des francs-maçons. Et il y a une vidéo,
Et tant qu'à faire également du sionisme, il y a une vidéo, et du club Bilderberg et des Illuminati, et il y a une vidéo. Bon. François Asselineau s'est exprimé à propos de la prétendue loge maçonnique UPR, information fausse démentie, etc., etc., en appuyant, vous appuyant sur ces éléments, etc., etc. Donc voilà. Et donc voilà, le message de base, c'était là. Et donc, il m'a cité, cet ami m'a cité, voilà, ici. Et tout va jusqu'alors qu'un certain Medim Nawar a échangé avec moi certains commentaires. Je vous mets donc cette déclaration émanant de Medim Nawar qui vous accuse nettement. Donc à vous de me rassurer, car les commentaires vont bon train à ce sujet. Voilà, donc là, la vidéo. Que pensez-vous de l'influence de la franc-maçonnerie au sein de la politique française? Voilà, maintenant je vais vous apporter donc les éclaircissements et mes réponses. Une fois que je vous ai montré tout ça, que je vous ai expliqué pourquoi je traite ce sujet, parce que bon bah, faut répondre tout de suite, hein. On va pas attendre. Puis ça intéresse tout le monde, hein. Autant découvrir qu'est-ce qui se trame. Et donc, cette vidéo, eh bien, on va en regarder un bout. On va en regarder un bout. Hop. Donc ça, c'est bon. Alors, je vous prépare ça. Et donc, la vidéo, que pensez-vous de la franc-maçonnerie? Au sein de la politique française. Donc c'est ces liens-là qui ont été délivrés. Et on va regarder un bout. Voilà, je vous mets ça à l'écran. Hop, regardez. Ces liens-là. Donc, que pensez-vous de l'influence de la franc-maçonnerie au sein de la politique française? Allez, on écoute. Une question d'Elox Thor. Bonsoir Monsieur Asselineau. Que pensez-vous de l'influence idéologique de la franc-maçonnerie au sein de la vie politique française et avez-vous déjà rencontré des francs-maçons? Alors oui, j'ai déjà rencontré des. Alors premièrement, c'est une question qui est récurrente, qui me revient régulièrement. J'en profite pour y répondre. Non, je ne suis pas un franc-maçon. Je ne suis dans aucune obédience. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, non, ma femme n'est pas franc-maçonne. Il y a eu une photo qui circule où on me voit en train de rire avec une femme qui est Marie-France Coquart, qui était effectivement franc-maçonne. C'était pour les élections municipales de Paris en 2001. Ça n'est pas ma femme, je ne la connaissais pas avant ces élections, je ne l'ai pas revue ensuite. Donc voilà, que les choses soient claires sur cet aspect des choses. Bon. Troisièmement, oui, bien sûr, j'ai rencontré des francs-maçons. Je crois d'ailleurs, on en a quelques-uns qui sont à l'UPR qui se sont fait connaître à moi, très peu, mais je crois qu'on. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs. Il y en a quelques-uns qui se sont fait connaître. Voilà, moi je ne suis. Oui, je sais que je sais le poids de la franc-maçonnerie. D'ailleurs, les grandes valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité, sont des valeurs de la maçonnerie traditionnelle.
On ne peut pas comprendre le siècle des Lumières si on ne comprend pas cela. Et d'ailleurs, il y a des critiques venues des cercles monarchistes en France qui disent, et ils n'ont pas tort d'ailleurs, de dire ben, « la République, c'est le fruit de des Lumières, de la franc-maçonnerie, etc. » En revanche, je trouve là où ils ont tort, c'est quand ils disent « voilà, il faudrait sortir, rétablir un régime monarchique parce que là, ça réglerait les problèmes de la France ». Je connais ce discours, je connais des monarchistes, hein. Et je dis d'ailleurs au passage, s'il y en a qui m'écoutent, je leur dis que quand on voit les monarchies en Europe, elles ne font pas mieux que la République française. La monarchie en Espagne, c'est pas parce qu'il y a une monarchie en Espagne qui n'obéissent pas aux directives de Bruxelles, qui ne sont pas soumis aux contraintes de la Banque Centrale Européenne, qui ne sont pas en train d'entraîner le pays vers le tombeau à cause de la cherté de l'euro, et même le pays à la désintégration avec la politique des euro-régions. Donc le fait qu'il y ait un Bourbon d'Espagne à la tête du trône à Madrid ne change rien à la situation. Hein. Donc ça, je me permets de dire ça aux monarchistes, qui j'en ai quelques-uns, des royalistes. Moi, j'accueille absolument toutes les idées. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Je connais quelqu'un qui est royaliste. Très bien. Il a des arguments qui ne sont pas sans valeur, sur notamment la continuité de l'État, le symbole de souveraineté nationale, etc. Ce sont des arguments qui ne sont pas sans valeur. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a plein de monarchies en Europe, dans l'Union européenne, et qu'elles n'ont pas mieux que la République française fait respecter leur souveraineté nationale. Pour revenir à la question sur la franc-maçonnerie, oui, j'ai déjà rencontré, bien sûr, des francs-maçons. Moi, je parle à tout le monde quand les gens veulent bien me parler. Hein, donc aucun problème. J'avais même été approché par quelqu'un du Grand Orient qui m'avait proposé d'aller faire une conférence au Grand Orient rue Cadet à Paris. J'avais dit oui, tout à fait, j'étais d'accord, à la condition que ce soit une conférence ouverte au public. Voilà. C'est ce qu'ils appellent des tenues ouvertes, etc. Ça ne m'a pas été accordé. On m'a dit « Non, il faudrait que ce soit une réunion totalement fermée, etc. » J'ai dit « Ben non, moi, je n'ai rien à cacher. » Voilà. Moi, je n'ai rien à cacher. Je n'appartiens pas à la franc-maçonnerie. Je veux tout à fait bien parler aux sociétés de philosophie, comme elles s'appellent elles-mêmes, aux sociétés... Je suis d'accord pour parler, notamment pour parler de la question de la construction européenne, parce que j'avais fait remarquer à mon interlocuteur du Grand Orient, je lui avais fait remarquer que la construction européenne était en train de saper toutes les valeurs de la franc-maçonnerie traditionnelle. C'est-à-dire liberté, la liberté est en train d'être remplacée par l'esclavage, par l'Union européenne. Égalité, c'est en train d'être remplacée par des inégalités flamboyantes. On voit partout se développer les inégalités. Fraternité, c'est en train d'être remplacée par le communautarisme. Fraternité, ça veut dire que normalement tous les citoyens sont égaux. Plus maintenant. Maintenant, c'est uniquement par communauté. Et la laïcité est en train d'être remplacée par une espèce de communautarisme religieux permanent. Donc je faisais remarquer à cet interlocuteur du Grand Orient que j'étais un peu surpris de voir que, semble-t-il, le Grand Orient était favorable à la construction européenne et très défavorable à ceux qui voulaient en sortir, alors même que la construction européenne est en train de détruire tous les acquis de la franc-maçonnerie du XIXe siècle et du siècle des Lumières. Ah, ça, c'est quand même un vrai sujet. Moi, ça ne me concerne pas. Je ne suis pas franc-maçon. Mais c'est quand même un vrai sujet qu'on peut, d'ailleurs, à mon avis, aborder librement. C'est quelque chose qu'on devrait avoir. Moi, je suis tout à fait partant. D'ailleurs, je lance ici un appel. J'ai déjà proposé souvent des débats publics. Je les relance. Je veux bien. Moi, je voudrais bien un débat public avec Madame Le Pen, avec M. Mélenchon, qui d'ailleurs est franc-maçon, je crois, avec M. Fillon, enfin M. Fillon maintenant est quitté, avec M. Wauquiez, avec M. Hamon. Je suis partisan du débat. Eh bien, je suis également partisan d'un débat public, éventuellement, avec des dirigeants du Grand Orient ou de la Grande Loge Nationale de France. Finalement, on n'a rien à cacher. On est tous citoyens français, on est des grands enfants. Internet est en train de bousculer tous les secrets, les petits secrets, les trucs comme ça. Mettons tout sur la table et puis discutons des vrais sujets, liberté, égalité, fraternité, souveraineté nationale. Moi, je ne demande que ça. Donc, a priori, vous allez me dire, il s'en sort bien, il n'y a aucun problème, etc. Bon, ça, c'est... Sauf que c'est... C'est les vidéos qui mettent en avant avec un discours lissé comme ça où il dit
Je ne suis pas franc-maçon, je connais peut-être qu'il y a des francs-maçons, peut-être dans mon parti. En tout cas, moi, j'ai rien à voir avec ces gens-là, etc. Donc, Mahedine, voilà, eux, c'est ce qu'ils mettent en avant, c'est ce discours-là. Et en plus, ils précisent que la franc-maçonnerie est à l'origine de beaucoup de choses, et dans liberté, égalité, fraternité, que là, il dit, vous devriez mieux l'appliquer. Genre, c'était appliqué avant, mais là, ça se détériore. Donc là, il y a soit une formidable naïveté, ou un manque d'éveil, ou une intention de nous tromper. Voilà. À ce niveau-là de compétence, à votre âge, à ton âge, François Asselineau, haut fonctionnaire, hein, haut fonctionnaire, hein, tu n'es pas n'importe qui. Les hauts fonctionnaires, normalement, sont de près ou de loin au courant pour la franc-maçonnerie et aux ordres. Tu as été candidat à l'élection présidentielle, enfin, je ne vais pas refaire ton CV, hein. Donc tu sais normalement. Les ravages de la franc-maçonnerie, tu as une idée sur le fait que la franc-maçonnerie a causé la mort de centaines de milliers, voire de millions de personnes, et tu en parles comme si c'était un courant de pensée, sauf que, bon, ils veulent pas montrer leurs débats en public, c'est pour ça que tu es un peu offusqué, parce que tu aurais aimé quand même, au lieu qu'ils te parlent en cachette, que vous parliez normalement, hein. Mais non, arrête de nous prendre pour des cons, hein. La franc-maçonnerie, je veux dire, si à ton niveau t'es pas au courant des attentats sous faux drapeau, si à ton niveau t'es pas au courant pour ce qui s'est passé suite à la Révolution française, si t'es à ton niveau t'es pas au courant de tous les massacres qu'il y a eu, la République qui est une création de la franc-maçonnerie qui a été construite sur du sang, hein, sur des massacres, sur des boucheries, hein, des boucheries. Si tu n'es pas au courant que la Première Guerre mondiale, et qui a donné suite à la Deuxième Guerre mondiale, résulte d'un attentat sous faux drapeau contre l'archiduc, donc d'Autriche-Hongrie, hein. Si tu n'es pas au courant de tout ça, si tu n'es pas au courant du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont disparu, qui disparaissent encore, qu'on fait passer pour suicidés, dont Coluche en fait partie, dont plein de personnes en font partie, François Asselineau, si tu n'es pas au courant pour toutes les affaires de pédophilie, hein, encore une fois, dans le secret, en souterrain, hein, si tu n'es pas au courant de tout ça, de toutes les affaires qui reviennent à toutes les oreilles, que ce soit Patrice Allègre, l'affaire Allègre, que ce soit plein d'affaires, et pas uniquement en France, partout dans le monde, en Belgique, de réseaux, donc qui utilisent des personnes comme Patrice Allègre ou d'autres, hein, Nordal Lelandais en fait certainement partie, pour donc amener des enfants dans des espèces de rituels dans lesquels donc les sociétés secrètes, dont la franc-maçonnerie, sont présentes. Si tu n'es pas au courant de tout ça, et les témoignages ne manquent pas, beaucoup de personnes qui ont eu la vie sauve témoignent et disent qu'elles ont été violées, il y a eu des rituels, les dessins des enfants sont explicites, hein, avec des triangles. Hein, les symboles maçonniques, les tenues qui sont utilisées, hein. Si tu n'es pas au courant de tout ça, François Asselineau, mais arrête de te présenter, va te renseigner, va demander, justement, tu dis que tu connais quelques francs-maçons, demande-leur la réalité, ils te le diront pas, mais pose des questions à des chercheurs de vérité, viens demander à ton J'allais dire à ton serviteur, je suis pas ton serviteur à toi, mais viens me demander à moi ou à d'autres. Mais tu es parfaitement au courant,
Hein, tu suces pas ton pouce. Hein, je veux dire, tu les suis les affaires d'enfants disparus, les affaires de pédophilie. Tu es au courant que c'est la franc-maçonnerie qui est à l'origine du complot contre la famille dans ce pays, les placements abusifs d'enfants. Tu es au courant que que ce soit le mariage homosexuel qui leur sert donc de moyen pour achever la famille, et que derrière il y a la PMA. D'ailleurs, tu te prononces pas et tu dis que oh mais non, le but c'est pas quand même de revenir sur le mariage homosexuel, etc. Tu caches, tu te prononces pas sur les autres sujets. Enfin, tu n'es pas, tu ne penses vraiment pas que la franc-maçonnerie c'est un gentil mouvement, comme tu en parles, comme si c'était tu parlais avec François Fillon, avec Mélenchon, comme si tu avais comme ça dans ton parti des gens lambda, des catholiques, des juifs, des musulmans. Mais non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, on parle de gens qui ne considèrent pas leur mouvement comme une religion. On ne sait pas à quoi ils obéissent. On n'a pas un de leurs livres à vérifier. On voit pas ce qui se passe dans leur loge. C'est dans le secret le plus absolu. D'accord? Les religions, ce n'est pas pareil. Il y a les livres, elles sont traduites. Les livres sont traduits dans toutes les langues. Les monastères, les églises, les mosquées, les synagogues. Et je veux dire, on peut y entrer. Il n'y a pas comme ça de cooptation, de rituels initiatiques et d'adhésion, et qui n'est pas automatique, hein, qui est soumis à l'approbation ou pas, donc des instances. Ça ne fonctionne pas comme ça, les autres religions, hein. Si vous êtes juif, vous poussez la porte de la synagogue, personne ne vous demande est-ce que vous avez la carte de membre ou le code secret, d'accord? De la même manière si vous êtes musulman ou si vous êtes chrétien, catholique ou que sais-je. Donc, François Asselineau, c'est soit tu es ignorant, ce que je préfère ne pas croire, parce que ce serait catastrophique, il y a beaucoup de gens qui croient en toi, ou tu fais exprès pour nous tromper, en considérant, en mettant sur le même plan, la franc-maçonnerie et tout ce que tu vas citer, tout ce que tu as cité, toutes les autres religions, et ceux qui croient, et ceux qui croient pas, et ça, et les jaunes, les noirs, les blancs. Voilà. Mes chers amis, c'est les questions essentielles donc par rapport à Asselineau. Est-ce que vous préférez suivre quelqu'un qui n'est pas si informé que ça, ou alors qui fait exprès, qui vous la prépare bien, bien à l'envers, comme Hollande qui disait beaucoup de conneries, que la finance est son ennemi, ou soit vous prenez conscience que c'est tout simplement la même manipulation habituelle et que vous allez vous enfermer avec quelqu'un à la Hollande, dont vous découvrirez le vrai visage le jour où il sera élu. Alors, la vidéo qu'on a regardée, bien entendu, ils sont malins. C'est pas la vidéo qui pose vraiment la preuve de ce que je viens de vous dire. Alors, je vais vous la mettre, la vidéo, hein, la vidéo très gênante. Hein. Vous pouvez pas être adhérent de l'UPR ou être sympathisant de François Asselineau ou de l'UPR ou peu importe, et sortir de la vidéo que je vais vous mettre à l'instant en vous disant non, 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 je pense qu'il n'y a aucun problème, on le traite à tort d'être bienveillant avec les francs-maçons et la franc-maçonnerie. Je pense qu'on est injuste avec François Asselineau. Normalement, la vidéo que je vais vous mettre à l'instant devrait vous convaincre définitivement que François Asselineau n'a pas les bonnes informations, et donc, depuis le temps qu'on lui pose des questions sur la franc-maçonnerie, n'a pas envie de se renseigner, et puis il n'a pas, je vais dire, il n'est pas si éveillé, si alerte que ça pour quelqu'un qui veut emmener derrière lui beaucoup de personnes et leur expliquer les manipulations, les complots dans lesquels nous vivons en permanence, qui apporte cette nouveauté en disant moi je suis pas comme les autres, moi je suis pas un manipulateur, donc il n'est pas du tout informé, hein.
Ou alors, la méthode de la franc-maçonnerie. Il vous trempe, là je suis attaqué sur ma connexion, mais je la passerai la vidéo. Il vous trempe intentionnellement. Il vous montre un visage rassurant, mais en réalité, il sait beaucoup de choses et il les garde exprès pour lui parce qu'il sait qu'il sera découvert, que son double jeu, son double discours sera découvert. Alors, je vous mets la vidéo, mes chers amis. J'espère que Mahiedine, tu es là, que tu la regardes, parce que j'étais parti de ce que tu m'as envoyé donc pour traiter ce sujet ce soir. J'en ai toujours parlé hein, de donc François Asselineau, qui sans problème, c'est qu'il voit pas où est le mal avec la franc-maçonnerie. Hein. Il les considère comme bon des personnes qui réfléchissent à la démocratie. Un petit mouvement de philosophes. Une catastrophe. Une catastrophe. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui croient en lui. Hein. Beaucoup. Allez, on Question, une regarde. question de Norman. On regarde. Allez, c'est parti. C'est cette vidéo qui compte. Hein. C'est pas toutes celles avec lesquels ils ont inondé le mail de réponse. C'est cette question-là et cette vidéo-là où vous voyez, il sait plus où se mettre parce qu'il s'embourbe tout seul et justement, il dévoile beaucoup de choses. C'est qu'il les considère pas comme des gens dangereux, comme des criminels qui vivent dans le secret, des obscurantistes qui fomentent des manipulations et des complots. Des gens qui tiennent tous les pouvoirs dans ce pays, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, ils se donnent des jugements les uns en faveur des autres, c'est pour ça qu'ils ne sont jamais poursuivis, peu importe l'énormité des affaires qu'ils ont sur le dos, ils font pas de prison, ils ne sont pas poursuivis, ils obtiennent même des verdicts où on dit devant l'énormité des preuves, je te condamne, mais je te laisse ton casier judiciaire vierge, je ne te donnerai pas de peine. Enfin, c'est ça, hein, vous voulez changer les choses, mais les lois ne sont pas respectées par les juges et par la justice. Et parce que cette confrérie se protège les uns les autres, et parce qu'elle a infiltré tous les pouvoirs, y compris le Vatican, l'Église, en France, tous les pouvoirs, et sur la planète aussi. Y compris, vous le voyez, c'est criant, le pouvoir médiatique, le quatrième pouvoir, le pouvoir médiatique, c'est trusté par la franc-maçonnerie, c'est comme les juges, c'est pareil. Et là, donc, vous voyez bien, ils essayent, parce que c'est leur technique, ils réfléchissent, ils essayent depuis le début, mais ça marche, hein, d'orienter toujours les débats sur tout ce qui est thunes, économique, financier, justement pour cacher tout le reste, cacher le fait qu'ils déséduquent nos enfants. Je vous mettrai une vidéo tout à l'heure de présentation de Farida Belghoul. Beaucoup d'entre vous la connaissent. Donc voilà, cet enfant, ce garçon, Bilal, je ne sais quel nom, qui représente la France à l'Eurovision, mais c'est le produit du complot et de la manipulation et du système franc-maçon mis en place dans l'éducation nationale, dans les médias, les produits culturels. C'est le produit pur. Vous regardez ce pauvre garçon, c'est la franc-maçonnerie qu'il y a derrière. Parce certainement qu'il n'a pas grandi avec son père. On voit sur la vidéo, il n'y a qu'une mère comme ça, qui en plus qui s'exhibe. Elle est toute fière d'elle. Hein. Enfin, franchement, madame, il n'y a pas de quoi être fière hein, de ce que vous avez fait. Et franchement, moi personnellement, j'aurais honte. Hein, j'aurais honte de ce que vous avez fait. Il n'y a pas de quoi être fière. Hein. Il est où son père à ce garçon? Qu'est-ce que vous en avez fait? Donc voilà, ils ont tous ces instruments, la justice familiale, l'endoctrinement par l'école, l'endoctrinement par les médias. Ils dézinguent la société pour justement, vous voyez bien, les révolutions, c'est extrêmement dur à mener parce que vous avez un peuple qui n'est pas solide, un peuple qui est explosé,
un peuple qui est affaibli, un peuple qui est individualisé, hein, ou qui ne peut pas s'organiser parce que difficilement compatible et réconciliable. Vous voyez, c'est ça, leur complot, il est là, d'accord? Alors, je vois que ça continue les difficultés sur ma connexion, mais j'irai jusqu'au bout. Hein, il n'y a pas de souci. J'irai jusqu'au bout. Alors, on va... Hop, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Alors, je vous mets la vidéo dont je vous ai parlé. Voilà, regardez clairement. Ceux qui croyaient en Asselineau dans l'UPR. Donc c'est... il se met à table, enfin, il croit s'en sortir, mais cette vidéo a eu lieu après la vidéo précédente que je vous ai montrée. Une question de Norman Zurich. Bonsoir Président, pouvez-vous démentir les allégations sur la création d'une loge maçonnique UPR? Alors oui, j'ai vu, ça c'est une affaire d'une tempête dans un verre d'eau qui est apparue et qui a été pas mal relayé sur la sphère internet par quelques officines venant de l'extrême droite. Voilà, j'ai vu que tel ou tel site de presse d'extrême droite a laissé entendre, même pas laissé entendre, que l'UPR aurait décidé de créer une fraternelle à l'intérieur de mouvements, en fait, alors quelque chose qui serait voilà, d'obédience maçonnique. Alors aussitôt, on a reçu des quantités de courriels de personnes, d'adhérents de l'UPR qui disent de quoi s'agit-il. Alors moi là-dedans, ça m'irrite un peu, et à la fois ça me donne aussi un sentiment d'une certaine confiance dans l'avenir, vous allez voir pourquoi. Ce qui me lasse ou ce qui m'irrite, c'est que j'ai déjà dit 50 fois, et donc ça va être la 51e fois que je le dis, je ne suis pas franc-maçon. Voilà. Donc il y a une presse là qui a dit que j'étais franc-maçon, que c'est... Je ne le suis pas. Si je l'étais, je le dirais. Je ne le suis pas. D'ailleurs, ceux qui disent que je le suis n'ont qu'à dire dans quelle obédience, dans quelle loge je le suis. Voilà. J'aimerais d'ailleurs au passage que l'on fasse part, que ces gens qui y sont à l'affût, fassent preuve de la même, du même côté inquisitorial auprès de l'ensemble des responsables des autres partis politiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que l'UPR a désormais 31 218 adhérents. L'UPR, c'est la société française dans son ensemble. Il y a à l'UPR des gens venus de tous les horizons, je l'ai dit. Je ne peux pas dire je ne l'ai pas dit. On a des Français qui viennent de l'extrême droite, de la droite, du centre, de la gauche, de l'extrême gauche. On a des hommes et des femmes, des personnes âgées, des personnes d'âge adulte, des personnes, des adolescents, des étudiants, à partir de 16 ans. Nous avons des gens qui viennent de tous les horizons. On a beaucoup de Français, je ne sais pas combien d'ailleurs, je ne sais, ça serait interdit par la loi de donner des précisions, mais nous avons un pourcentage significatif de nos adhérents qui sont des Français d'origine étrangère, première, deuxième, troisième génération, qui viennent notamment des pays de la francophonie, du Maghreb, des pays d'Afrique, des pays du Moyen-Orient, mais qui viennent aussi du monde entier. Nous avons des personnes qui ont toutes les religions. Nous avons des catholiques traditionnalistes, des catholiques non traditionnalistes. Nous avons des protestants avec les différentes églises d'ailleurs, en particulier en Polynésie où il y a beaucoup d'églises différentes. Nous avons des juifs, nous avons des musulmans sunnites, nous avons des musulmans chiites, nous avons des musulmans alaouites, nous avons des confucéens, nous avons des hindous, nous avons également des personnes qui sont agnostiques, nous avons des athées militants. Et nous avons aussi, pour parler de tout, en matière d'orientation sexuelle, nous avons des LGBT, comme on dit maintenant, c'est-à-dire nous avons des Français qui sont homosexuels, déclarés, etc. Et nous avons aussi, eh bien, des francs-maçons. Alors je ne sais pas combien on en a, j'en sais rien, je ne fais pas la recherche, mais je le sais, il y en a quelques-uns qui se sont fait connaître à moi, ah, moi je suis franc-maçon. Je voudrais dire ici à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent qu'il y en a, moi je reçois parfois des gens d'une intolérance extraordinaire qui voudraient, alors selon les cas, il y en a qui disent « Ah non, 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 il faut interdire le mariage gay, il ne faut pas qu'il y ait de gay, alors il ne faudrait pas qu'il y ait les gays. »
Après ça, il faudrait pas qu'il y ait des francs-maçons. Interdit de francs-maçons. Après ça, il faudrait pas qu'il y ait des juifs, il y a des antisémites. Après ça, c'est les musulmans qui posent problème. Il faudrait retirer les musulmans. Après ça, ce sont les gens de gauche qui sont pas bien. Donc il faudrait chasser les gens de gauche. Et puis pour les gens de gauche, ce sont l'extrême droite. Il faudrait chasser l'extrême droite. Et puis il faudrait chasser les gens des républicains. Au bout du compte, l'UPR, ça serait quoi? Ça serait quoi? Une cabine téléphonique avec trois personnes à l'intérieur. L'UPR, comme l'avait dit André Malraux en parlant du mouvement gaulliste dans les années 60, c'est le métro à 6h du soir. C'est-à-dire à tout le monde. Donc il y a tout le monde. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire? Je me demandais de quoi s'agit-il. Il se trouve que nous avons un adhérent dans le Var qui est franc-maçon. C'est très bien. Moi, je ne vois pas malice à ce que les gens soient franc-maçons, soient catholiques, traditionnalistes, protestants, musulmans, juifs, athées, agnostiques, etc., etc. Mais ça doit rester dans leur sphère privée. Or, ce qui s'est passé avec cet adhérent, c'est que, sans demander l'avis de personne, il a lancé une initiative. Alors, peut-être a-t-il cru bien faire, je n'en sais rien. Mais il a lancé une initiative qui est totalement contraire au principe de l'Union populaire républicaine, puisque je rappelle que quiconque a lu la charte sait que nous combattons le communautarisme, que pour nous il n'y a que des citoyens français, quelles que soient par ailleurs leurs opinions politiques, leurs orientations sexuelles, leurs origines ethniques, leur appartenance ou non à telle ou telle association ou société philomatique ou société de philosophie. Mais ça, c'est dans leur sphère privée, et ça ne vient pas perturber le fait que tous les adhérents de l'UPR doivent partager l'objectif de notre mouvement politique. Alors, nous ne faisons pas la chasse à quiconque. D'ailleurs, il se trouve que cet adhérent était connu, était répertorié, sans difficulté. Il a pris une initiative qu'il n'a pas proposée au Bureau national. Il s'est approprié les logos du mouvement, et il a lancé une fraternelle pour essayer de rassembler autour de lui, paraît-il, qu'il y a quelques adhérents francs-maçons. Donc nous lui avons signifié que nous n'étions pas d'accord et que nous lui demandions de retirer tout ceci qui n'avait pas eu du tout l'approbation. Alors, tout ceci est un peu irritant parce que y a aussitôt évidemment des gens qui se sont lancés sur cette opération pour faire croire que c'était l'UPR qui avait décidé de ci ou de ça. De ce que je crois savoir, cet adhérent donc va supprimer tout ce qu'il y avait. On va examiner le cas avec le Bureau national pour voir si nécessité il y a de prendre des sanctions à son égard, pour avoir notamment piétiné les règles de fonctionnement interne de notre mouvement. Mais vous voyez bien qu'il y a dans cette affaire une volonté d'un certain nombre d'officines d'essayer de nous montrer pour ce que nous ne sommes pas. Et c'est ça qui me donne finalement, comme je le disais en préambule, un certain espoir pour la suite. Parce que ça veut dire que nous gênons. Voilà ce qui se passe. Nous gênons terriblement. Et donc, comme on n'a rien pu trouver sur moi, je ne fais pas de détournement de fonds, je n'ai pas d'affaires de mœurs, je ne fais pas de harcèlement, j'ai un casier judiciaire vierge. Les gens, je peux vous dire que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de gratter. Ils n'ont rien trouvé. En plus de ça, tout ce que j'ai pu dire depuis 11 ans se révèle exact. En plus de ça, les esprits sont en train d'évoluer rapidement. On en parlait tout à l'heure avec l'émission de Éric Brunet. En plus de ça, je vois arriver à l'UPR des gens de plus en plus nombreux, y compris des personnes qui ont quitté notre mouvement il y a 4 ou 5 ans ou 6 ans, en disant qu'on n'arriverait à rien, qu'il fallait ci, qu'il fallait ça, et puis en définitive, notamment au vu de la réussite de notre manifestation du 1er mai qui revient. Eh bien, tout ceci gêne et embarrasse, donc certains essayent, très probablement, de nous jeter des boules puantes ou d'essayer de nous entraîner là-dedans. Voilà ce que je voulais dire sur cette affaire que j'espère close. Non, je ne suis pas franc-maçon. Non, l'UPR ne pourchasse pas non plus les francs-maçons, parce que ça, c'est un mouvement, ce sont l'extrême droite qui le fait. L'UPR n'est pas un mouvement maçonnique, l'UPR n'est pas un mouvement anti-maçonnique, mais l'UPR est un mouvement républicain qui entend faire respecter les principes de la République. Tout le monde est le bienvenu à l'UPR, quel que soit, encore une fois, ses origines ethniques, ses opinions politiques, ses opinions religieuses, son appartenance à telle ou telle association, à condition qu'il laisse ça dans sa sphère privée, son orientation sexuelle aussi, j'ai oublié, à condition qu'il laisse ça dans sa sphère privée et que tout le monde se tienne la main dans l'objectif qui est le nôtre, qui est celui de rendre aux Français leur liberté, leur indépendance et leur souveraineté nationale. Faites donc moi confiance. Bon, mes chers amis, je vous épargne la fin. Je pense que ça a été, en tout cas pour moi, faut absolument pas
suivre cet homme parce qu'il n'est pas, il n'est pas cohérent, hein, il n'est pas clair dans ce qu'il dit. Et en tout cas, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et là, le loup, il est clairement identifié. Hein, c'est la franc-maçonnerie. Hein, c'est la franc-maçonnerie. Et puis il le dit. Il est son pire ennemi. Parce que il dit clairement que la franc-maçonnerie, bon bah c'est des gens comme les musulmans, comme les juifs, comme les catholiques, comme les gays, comme voilà, c'est tout. Bon, bah c'est, il est, moi je ne pense pas qu'il soit à ce point-là désinformé et comment dire et ignorant. Je ne pense pas de quelqu'un de sa stature, de son niveau et qui vient nous expliquer, nous donner la leçon comme ça, comme un maître d'école. Alors je vous explique l'article 50, là, je vous explique. Et puis, il voit la franc-maçonnerie comme étant des gens simples, des philosophes, comme hein, seraient les Noirs, les Arabes, les Français, les Chinois. Les juifs, les homosexuels, les chrétiens, c'est impossible qu'ils ne sachent pas que les francs-maçons et la franc-maçonnerie, ça s'apparente plus à une secte qu'à un mouvement de gentils bonhommes. Qu'il y a beaucoup d'affaires de pédophilie hein, et beaucoup de rituels et de complots. D'affaires, de terrorisme, hein, il passe dessus comme ça. Si c'est pas un comportement, ça, de manipulateur, de pas rentrer dans le sujet, de dire, voilà, il est reproché ça à la franc-maçonnerie, il est reproché ci, lui, il passe comme ça, il te dit rien, il te dit, oh, il y a des francs-maçons, et qu'est-ce que tu veux que je fasse? D'ailleurs, moi, il y en a un, il est venu me parler, et l'autre, je vous jure, il m'a pas dit, il a créé une loge de maçonnerie, donc au nom de l'UPR, je vous assure, j'étais pas au courant, et puis, pour moi, c'est clair et net, comme dirait le Suisse qui fait les vidéos sur la franc-maçonnerie, pour moi, c'est clair et net. Cette vidéo, si vous n'êtes pas convaincu après l'avoir entendu de lui-même se dire n'importe quoi, d'accord, dire bon, bah, que c'est pas grave, etc. Et puis il part. Alors, il faudrait interdire le mariage gay, il faudrait s'en prendre aux homosexuels. Enfin, vous reconnaissez pas ce discours? C'est les mêmes, justement, que vous voulez. Auquel vous voulez donner une leçon, qui vous ont arnaqué et que vous partez tous en courant pour voter pour Asselineau. Et regardez, il tient le même discours. On lui parle de francs-maçons, les francs-maçons qui, encore une fois, tiennent tous les pouvoirs dans ce pays, ils respectent pas la laïcité, qui tiennent leur religion, leur secte dans le secret, ils veulent pas que ça soit vu. Qui sont coupables de beaucoup de complots dans l'histoire, beaucoup de morts, d'accord? Et donc lui, il présente ça comme si c'était juste voilà des personnes lambda. Je pense que vous m'avez compris, mes chers amis. Hein. Je ne vais pas m'éterniser plus donc sur le cas de François Asselineau. Il est au courant de rien au final. Vous lui demandez sa politique sur l'éducation nationale, concernant la famille, concernant les guerres. Finalement, vu qu'il n'est pas au courant que dans tous ces sujets, il y a une forte présence et c'est uniquement une politique de la franc-maçonnerie qui est mise à exécution, il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Il veut bien donner son avis sur la guerre, alors si en Syrie c'est pas juste, etc. Il veut donner son avis sur l'Europe, alors l'Europe c'est pas bien, etc. Il ne sait pas que derrière tout ça, il y a la franc-maçonnerie. Il ne sait pas. Et moi je pense qu'il sait, hein. Il sait très bien. Un ancien haut fonctionnaire, nom d'un chien.
Donc il le sait très bien. Depuis le temps, cet homme a dû avoir, parce qu'il a dit en plus qu'il a des francs-maçons qui viennent lui parler, il a dû en avoir des conseils, des vidéos envoyées, des documents donnés par ceux qui l'entourent. Moi, regardez, je ne suis pas de sa stature, j'en reçois une tonne de documents sur la franc-maçonnerie, etc. Il essaye de nous faire croire que la franc-maçonnerie, enfin lui, il la voit comme étant un mouvement classique de comme voilà, il a dit, moi j'ai tout le monde dedans, c'est normal quoi. Qu'est-ce que vous voulez leur reprocher en gros, il nous dit. Hein, et puis à la fin, parce que là, c'est ça que sur ça que je voulais rebondir, parce qu'à la fin il finit, oui voilà, il parle tout le temps de complot. C'est que là, les boules puantes, etc. On lui en veut, et au final qui lui en veut? C'est juste les personnes qui combattent la franc-maçonnerie. Hein, c'est qui t'en veut? Tu t'expliques sur la franc-maçonnerie et là ce que tu as dit, c'est bon, éliminé, c'est clair et net comme dirait l'autre. Voilà. Y a pas de boule puante, on va voter pour toi. On en a marre. Enfin, moi, je me suis pas fait arnaquer par Hollande ni par Macron. De toute façon, il a fallu que je fasse un choix dans la douleur, mais j'ai bien vu que c'était des personnes qui n'affichaient pas la couleur. Je préfère encore quelqu'un qui te l'a dit franco, comme Marine Le Pen ou comme d'autres. Il va te dire qu'ils te disent je vais faire un massacre. Plutôt que ces gens-là qui arrivent comme ça, soi-disant qui sont de ton côté, qui sont des anti-systèmes, alors que, vous voyez bien, Victor Hugo, c'est Hugo Victor, c'est la même chose. Allez, on va passer à autre chose. Donc. Ça c'est fait. J'avais donc beaucoup de choses à vous montrer. Ah bah tiens, ça c'est magnifique. Regardez Zemmour qui... Attends, attends. Je vous montre d'abord l'extrait, enfin le teaser, le lancement qui a été fait par Farida Belghoul, donc par rapport à Schiappa. Voilà, là, François Asselineau, qu'est-ce qu'il apporte comme réponse à ça, hein, sur ce qui se passe à l'éducation nationale, l'éducation sexuelle des enfants, etc. Mais dites-lui, mais moi je pense qu'il le sait, François Asselineau, il le sait quand même que l'éducation nationale, c'est la chasse gardée de la franc-maçonnerie. Et qu'on programme nos enfants, cette chère franc-maçonnerie programme nos enfants pour qu'ils deviennent tous comme des Bilal, la justice familiale qui exclut systématiquement les pères de l'éducation, voire beaucoup de cas, les pères et les mères, en plaçant carrément des enfants qui ont des parents, ils les placent pour en faire des personnes, des futurs adultes sans repère. N'allez pas me dire que Bilal, le chanteur là qui représente la France à l'Eurovision, c'est quelqu'un qui a des repères, qui est armé psychologiquement. N'allez pas me dire ça. Hein, quand on est armé psychologiquement, enfin, on se déguise pas comme ça. Hein, je suis désolé. Hein. Personne lui a dit que c'était un garçon. Allez, on va regarder le lancement donc de Farida Belghoul. Pour ceux qui la connaissent pas, une femme très courageuse et elle a beaucoup d'ennuis parce que là, elle est harcelée par le rectorat. Elle travaille dans l'éducation nationale. Elle n'arrête pas de dénoncer donc de l'intérieur l'endoctrinement qui est fait sur nos enfants, particulièrement l'apprentissage
de la sexualité. Enfin, je veux dire, moi, je l'ai dit et je vous le répète, la sexualité pour des enfants, il vaut mieux qu'ils découvrent ça le plus tard possible, parce que tout simplement, c'est comme, je sais pas, c'est comme tout, c'est comme fumer. Lorsque si vous ne soupçonnez pas l'existence de la cigarette, et ben vous n'y pensez pas, vous cherchez pas à essayer, vous cherchez pas à voir ce que ça fait de toucher une cigarette, d'en allumer une, de tirer dessus, etc. Vous ne cherchez pas, vous êtes occupé à autre chose, des histoires d'enfants, vaut mieux ça. Et ben la sexualité, c'est pareil. Quand vous avez à l'école des intervenants qui viennent et qui vous montrent, enfin, vous verrez là dans l'extrait, mais qui vous montre des godes, ils vous parlent de la dame, elle s'est assise sur plusieurs, je sais plus le terme, de plusieurs monsieur, et c'est rigolo, etc. Mais ça vous travaille en tant qu'enfant, mais même en tant qu'adulte, hein, ça vous travaille. Vous rentrez et vous essayez de voir qu'est-ce que c'est que ça, les dames qui s'assoient sur le machin des messieurs et que c'est rigolo, enfin qu'est-ce que c'est? Et puis voilà, le massacre il est là, c'est que on va faire les mauvaises expériences, c'est souvent parce qu'à un âge, lorsqu'on est à cet âge-là, on peut pas se protéger face à des adultes ou des personnes aguerries ou des mauvaises rencontres ou. Et puis on part dans tous les sens, on croit que la sexualité c'est absolument ça. C'est le faire avec tout le monde, etc. Il y a des choses qu'il faut pas essayer dans la vie. Il y a par exemple la drogue, ça sert à rien d'essayer. Là, voilà, tout à l'heure je cherchais, et là ça m'est revenu. Donc par rapport à Asselineau, c'est ça qui m'est revenu. C'est qu'il dit, voilà, il y a donc de tout dans mon parti. Et franchement, moi je préfère qu'il y ait de tout dans mon parti, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Et là, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'on peut accepter, par exemple, d'avoir dans son parti des personnes qui font partie d'organisations criminelles? Est-ce que c'est acceptable d'avoir des criminels dans son parti? Et de dire, c'est pas grave, je veux dire, ils sont criminels, c'est pas grave s'ils sont criminels, hein, du moment qu'ils veulent faire l'égalité, la fraternité et toutes ces conneries, s'ils sont pédophiles, c'est pas grave, s'ils ont tué, s'ils ont commandité des meurtres, s'ils font des rituels pour célébrer des gens qui ont tué, qui ont commandité des meurtres, ce n'est pas grave, c'est comme être rebeu, comme être catholique, c'est comme être juif, je veux dire, c'est les choses de la vie, hein, Non, 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 il faut être fou, hein, pour continuer à croire encore dans ce monsieur. Allez, on y va. On regarde donc le lancement sur de Farida Belghoul. Faut bien savoir qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'un enfant qui rentre au collège et déjà à l'école, il ne fera jamais d'orthographe, ou presque plus d'orthographe, il ne fera aucun cours de grammaire, il fera une rédaction peut-être, une fois par trimestre. En revanche, il étudiera des textes, il ne fera même que cela, il ne fera qu'étudier des textes, mais selon une méthode qui, au lieu de lui donner de l'enthousiasme pour la lecture, ne fera rien d'autre que le dégoûter la lecture. Ils emmènent les générations entières les unes après les autres au casse-pipe et à l'inculture, et tant que les gamins incultes et violents ne seront pas revenus leur casser le nez, ils vont continuer comme avant. Je dis souvent aux parents d'élèves qu'il y a eu là un crime, qu'il y a eu une agression délibérée contre leurs enfants et qui devraient porter plainte. Il y a eu un sabotage délibéré de l'inspection, des différents corps, de certains recteurs, etc. On a laminer le niveau pour en faire ce qu'il est actuellement, c'est-à-dire la fabrique du crétin. Ça fait 3000 ans que les enfants apprennent à lire et à écrire. Il serait temps qu'ils apprennent autre chose. Parole d'inspecteur.
parce que t'as une érection. Ah, et c'est quoi une érection? Bah, tu viens de la planète Mars, toi, des fois. T'as jamais vu un film cochon? Dans le film cochon, les filles sont vachement maquillées et elles ont des gros lolos et elles pensent qu'à s'asseoir sur le lit zizi d'un monsieur qui n'est jamais le même et des fois, elles le mangent comme si c'était un bonbon. Il nous a interrogé sur ce que signifiait pour nous couples le fait de manger un zizi. Pour Françoise Dolto, si un enfant avait été prévenu dans son éducation qu'il pouvait refuser une relation pédophile, il en devenait alors responsable. Infirmière, vite, passez-moi le vagin. Vagin, vagin. Marlène Schiappa n'est pas actrice, mais elle prend un malin plaisir à interpréter les monologues du vagin. 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 Il y a la moule, le huacho, le millefeuille, la fandasse. Le mongo. À ses côtés, l'ancienne secrétaire d'État, Myriam El Khomri. Il faut aérer le minou. Et l'ancienne ministre, Roselyne Bachelot. Ou encore la chatte. Donc, vous l'avez vu, ce qu'il n'y a pas, je ne reviens pas sur l'énorme manipulatrice Bachelot, hein, qui nous a vaccinés, qui nous a trompés, qui a été condamnée pour avoir diffamé le tennisman, donc Nadal, bravo à lui, hein, d'avoir été jusqu'au bout pour la faire condamner, cette menteuse qui officie tous les jours, elle est devenue... ministre ou animatrice, c'est la même manière, hein, c'est manipuler l'opinion, hein. Donc elle officie sur LCI, enfin, c'est insupportable, elle fait genre que on peut l'appeler. D'ailleurs, mes chers amis, je vous soumets une idée, j'ai pensé à un truc rigolo, c'est d'essayer de contourner donc leur système de filtration pour décrocher la parole. Et donc là, que ce soit RMC, mais là surtout encore mieux, LCI avec Roselyne Bachelot, je me dis que si on se donne rendez-vous le matin à leurs horaires, 9h ou 10h du matin, et que on appelle tous, hein, chacun de votre numéro de téléphone, on appelle tous, et donc vous leur proposez les sujets habituels bateau, hein, les femmes disent c'est pour... témoigner contre les violences féminines, les violences faites aux femmes, pardon, et les hommes disent que c'est parce que, étant homosexuel, on est attaqué, on nous tire dessus dans la rue, et qu'on nous saucissonne, qu'il y a des camps de concentration d'homosexuels en Russie, enfin, toutes ces conneries, et pour avoir la parole. Et lorsque le premier d'entre nous qui a la parole, ben on fait une conférence. On fait une conférence, l'idée étant que je puisse lui parler, que je puisse intervenir. Il n'y a que ce moyen, sinon on pourra jamais s'exprimer. Moi j'ai essayé plein de fois, ça sonne occupé, à chaque fois que j'ai appelé, ça sonne occupé. Donc voilà, c'est une idée que j'ai eue ce matin, j'y ai pensé. Voilà, on a le nombre, le fait qu'on puisse comme ça se coordonner, il y a beaucoup d'actions qu'on pourrait mettre en place comme ça. Le nombre, encore une fois, fait la force. Donc voilà, j'ai pensé à cette action. D'ailleurs, je vous invite, voilà, j'ai pensé à ça aussi, je vous invite à envoyer, particulièrement à RT, Russia Today, RT France, qui est supposée donc être différente des autres médias français, leur envoyer ma candidature. Leur envoyer, dites-leur, écrivez-leur des mails en leur disant « Mais pourquoi vous ne laissez pas cet homme-là, Mehdi Mnawar, s'exprimer ?» Un peu comme tu as fait, Kevin Keyes, hein, lorsque tu as dit du bien sur moi dans des groupes. Mais faites la même chose. Kevin, Teddy, Élise, Mylène, tous aller sur le site de RT France,
le site internet, éventuellement celui de Spoutnik, mais RT France, vu que là, RT France diffuse la une antenne en France. RT France, qui est supposé normalement ne pas pratiquer la même censure que les médias français, allez sur le site internet de RT France, cliquez sur l'onglet « Contactez-nous », vous allez voir qu'ils ont des adresses mail. Eh bien, vous prenez toutes les adresses mail, vous écrivez un mail simple en disant, et vous mettez une de mes vidéos, choisissez celle que vous voulez, et vous leur dites pourquoi il y a Mehdi Mnawar qui voudrait s'exprimer chez vous, pourquoi vous lui donnez pas la parole, ou quelque chose de ce type-là. Mais en tout cas, vous me défendez, vous me proposez, vous parlez de moi, vous leur demandez de me donner la parole. Moi, personnellement, j'ai beau essayer, c'est un peu comme les médias français, hein. Il y a beaucoup de ressemblances malgré tout, hein. Il y a beaucoup de ressemblances. Donc voilà, je vais aller sur leur site là. Je vais aller sur leur site. Comme ça, je vais vous montrer en direct ce que vous pourriez faire. Vous savez, si jamais j'obtiens la parole, vous connaissez très bien les sujets que je vais évoquer. Ça va être une première dans tous les médias, qui en tout cas diffusé en France. Quelqu'un qui évoquera les guerres, l'éducation sexuelle à l'école, les chemtrails, les vaccins, le revenu universel comme moi je le pense, pas comme le manipulateur de Hamon, qui dénoncera les attentats sous faux drapeau, l'attentat de Strasbourg, le 11 septembre. Voilà, battez-vous avec moi pour que j'obtienne une parole et je parlerai, je vous soulagerai, je vous l'assure, je vous soulagerai. Aidez-moi à avoir une parole. C'est même pas la peine d'écrire à LCI, BFM TV, France 2, TF1, Canal Plus, ne perdons pas de temps. C'est même pas la peine. Alors, ayons espoir avec RT, la chaîne soi-disant dissidente, RT France, hein, fondant nos espoirs dans RT France. Hein. Voilà, hop. Alors, donc, je vais vous montrer mon navigateur. Bon, je suis content, hein, la connexion, j'ai arrangé les choses, putain, ça n'a pas été facile. Hein. Voilà, donc là, vous cherchez ici ou en haut, Russia Today, ou RT France, bien, voilà, on fait simple, RT France, vous voyez, RT France, ah, vous voyez pas en haut, je vais le descendre un petit peu. Voilà, regardez. RT France. Vous écrivez. Et donc, vous lancez la recherche. Vous tombez donc sur toutes ces pages-là. Vous choisissez n'importe quel site qui vous envoie sur RT France. Voilà, vous prenez ce résultat-là. Vous voyez ? Là. Actualité internationale. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est ça, le vert, là. HTTP, RT, français, RT.com. Voilà, donc, vous voyez, là, vous écrivez, regarde, RT France, RT espace France, et vous descendez juste après les vidéos, vous prenez le premier lien, RT en français, actualité internationale, vous cliquez dessus, après, vous descendez tout en bas, c'est pas la peine de perdre du temps. Donc là, on ferme les pubs. Et là, vous cherchez contact. Voilà, là, vous voyez contact. Là, il y a contact ici. Voilà. Vous cliquez sur contact, donc tout en bas, sur contact. Et regardez, vous tombez sur des contacts. Et donc là, ce qui nous intéresse, bon, si vous voulez vous amuser à appeler au téléphone, faites-le. Mais sinon, c'est les adresses mail, regardez. Donc, celle-là, c'est l'adresse mail principale.
Celle-là, c'est une adresse mail pour la distribution. En plus, elle est localisée en Russie. RU, c'est pour la Russie. Ici, c'est Presse TV, c'est une de leurs chaînes. Presse, bon, ben non, ça c'est pour les relations de presse, le marketing, pour la publicité, et pour les ressources humaines, c'est ça pour le travail, Job RT France. Donc voilà, ce que je vous demande, c'est de prendre toutes ces adresses, hein, faut pas en faire une, vous prenez les adresses, toutes les adresses, vous les mettez dans un seul et même mail, et dans le mail, vous écrivez ce que vous voulez, mais en tout cas, vous leur demandez de me donner la parole à l'antenne. Voilà, vous leur dites, il y a un certain Mehdi Mnawar, voici une de ses vidéos, vous prenez n'importe laquelle, pourquoi vous lui donnez pas la parole, êtes-vous comme les médias français à filtrer les apparitions et les interventions. Voilà. Faites ça, vous savez très bien que si je m'y retrouve, les sujets que je défends et ma liberté de parole, vous la connaissez, hein, vous la verrez entendue par un plus grand nombre de personnes, et ça ne permettra que d'accélérer l'éveil et donc aider la révolution. Voilà. Je rappelle que je ne gagne pas de l'argent avec tout ce que je fais, au contraire, je perds de l'argent, parce que non seulement là je fais ce que vous voyez que je fais, ce que vous me voyez faire, mais en plus je m'étais présenté aux législatives sur mon propre argent, donc je perds de l'argent. Mon but étant que la révolution aboutisse, que la justice enfin soit nettoyée de tous ces francs-maçons véreux, tous ces magistrats, et que je puisse retrouver mes droits de père par rapport à mes enfants que je ne vois pas. Voilà, ça, faites ça, je vous le demande, faites-le. Et on va mener comme ça des actions collectives, voilà, maintenant, on va mettre à profit le fait d'avoir cet outil, comme ça, les lives, internet, les groupes, on va faire des actions collectives comme ça, en plus de réflexions communes, plusieurs cerveaux ensemble, collaboratifs, quand même, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus efficace que deux ou trois personnes ou une personne seule. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Je crois qu'on va... Ah oui, tiens, Zemmour. Regardez Zemmour qui bafouille. Ça dure 2 minutes, hein, j'étais étonné. Zemmour coincé. Avec... Zemmour coincé, et c'est bizarre, elle passe pas dans les grands médias, hein, ce petit extrait. Regardez Zemmour coincé. Avec Éric Zemmour, qui est avec nous, Destin français, le livre paru aux éditions Albin Michel. Éric Zemmour, bonjour. Bonjour. Vous savez que quand on a annoncé votre venue dans les grandes gueules, nous avons reçu, non pas des pressions, mais en tout cas des recommandations. Certains, même ici en interne, nous ont posé la question, est-ce que c'est une bonne idée de recevoir Zemmour? Sur Internet, sur les réseaux sociaux, nos auditeurs nous ont dit, mais c'est pas possible, si vous recevez Zemmour, moi je zappe. Et puis, on voit bien sûr qu'il y a une pression médiatique. Absatou aussi, avec qui vous avez eu un échange pour le moins violent, réclame aujourd'hui votre interdiction sur les plateaux de télévision, relayée par le directeur de Libération, Laurent Geoffrin, relayée par des personnalités comme Audrey Pulvar. Vous êtes devenu, une fois de plus, j'ai envie de dire, parce que c'est à chaque promotion, hein, vous êtes devenu une fois de plus l'homme qu'il ne faut plus inviter. Mais il faut qu'ils aillent plus loin, ces gens. Il faut que demander mon exil, que j'aille à Sainte-Hélène. On m'enferme, qu'on m'emmène, je sais pas, faire quelque chose, réinventer le goulag, le bagne de Cayenne, que je casse des cailloux, et tous ces gens, bien sûr, c'est au nom de la liberté, c'est la vieille phrase révolutionnaire de Saint-Just, hein, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. C'est des gens qui sont, tous ces gens sont en fait les plus grands ennemis de la liberté, et ils le font au nom de la liberté. C'est un classique révolutionnaire.
Oui, parce que vous dites, vous êtes allé trop loin, vous avez déjà été condamné, et qu'aujourd'hui, Éric Zemmour, quand il attaque une Française en disant qu'elle, son prénom est une insulte à la France, ça dépasse les bornes, ça dépasse l'entendement, et vous êtes un attiseur de haine, Éric. Bon, écoutez, on va reprendre dans 2 minutes. Puisque maintenant c'est dans l'espace public. Attendez, je voulais juste vous préciser, pour ceux qui nous écoutent, que vous étiez invité dans les grandes gueules avant. Avant. Bien sûr. Voilà, bien juste, voilà pour regarder avant l'histoire de la salle. Vous étiez là pour votre livre dont on va parler. Absolument. Ceci étant dit, je vous donne la parole. Il faut rappeler en 2 minutes ce qu'on ne rappelle jamais. D'abord, les faits, c'est elle qui est la première, alors que je n'ai pas dit un mot encore. Ce n'est pas moi qui pose le sujet des prénoms. C'est pas moi qui. C'est Thierry Ardisson. Ce n'est pas moi, mais cette dame qui me dit que ce que je dis est une insulte. Je n'ai encore pas dit un mot. Voilà. Donc, si on comprend bien, il explique. Il était coincé. Il dit on arrête, on reprend tout à l'heure. Il explique, si on comprend bien, que. Qu'il a rien fait et que c'est Thierry Ardisson qui a menté tout ça, qu'il a un peu entre guillemets coincé et que lui il a rien fait, il a rien dit, c'est voilà, ça a été scénarisé, orchestré par Thierry Ardisson. C'est comme chez Hanouna, il n'y a pas de surprise, hein, tout est scénarisé et la majorité des soi-disant clash, il n'y a rien de naturel, hein, c'est préparé à l'avance. Ça se voit que c'est forcé en plus. Il était catastrophique, Hanouna, ce matin, je l'ai vu, il était chez les manipulateurs, les pros de la manipulation. Sur CNews, il était absolument catastrophique. Hein. D'ailleurs, avec sa barbe, il fait de plus en plus, je sais pas, on appelle ça là. Vous savez, pas moine, mais gourou, voilà. Il fait de plus en plus gourou. Hein. Ce matin, je l'ai trouvé un peu gonflé, en plus avec sa barbe et tout. Et puis, habillé en noir, et puis il voulait comme ça prendre son air sérieux. Alors là, s'il a eu ce qu'il n'y a pas, quand même. Là, il n'est pas là pour déconner, pour montrer son cul, comme d'habitude. Là, quand même, il a eu ce qu'il n'y a pas. Donc, maintenant, c'est devenu quelqu'un de sérieux. Hein. Puis, il était là, tout habillé en noir, la mine déconfite, comme ça, et puis il faisait comme ça des mimiques et tout. Minable. Minable et misérable. Manipulateur. Je pense... Donc, voilà. J'ai vu que tu... C'était toi, Teddy, hein. Oui, Teddy, tu dis il y a pas mal de sujets sensibles à traiter, sur Sud Radio. Peut-être tu devrais commencer par là si tu veux élargir tes diffusions. Teddy, tu as parfaitement raison. Donc je rebondis sur ce que tu m'écris. Et donc je vous demande, mes amis, de faire de la même manière avec Sud Radio. RT France et Sud Radio. En voyant tous, moi je le fais, hein, même pas qu'à eux, j'en vois tout le temps des diffusions, en voyez tous un mot dans un mail, vous mettez toutes les adresses que vous trouvez et vous dites pourquoi ne donnez-vous pas la parole à Mehdi Mnawar, à cet homme, et il a tellement de choses à dire qu'on n'entend pas dans les médias. Vous vous dites subversif, vous vous dites contre la censure, vous vous dites... sans tabou et avec une liberté de parole et de ton qui change des médias habituels mainstream officiels français. Donnez-lui la parole. Voilà, tournez ça avec vos propres mots. Mais demandons tous à ce que j'obtienne la parole, et vous le savez très bien que je porterai mieux la parole de la dissidence
des éveillés, je combattrai mieux le mal qui est l'ennemi, qui est la franc-maçonnerie, que tous les autres là qui se relaient tous les jours dans les merdias ou alors qui sont sur les réseaux sociaux et qui se bousculent pour gagner des clics parce que YouTube rémunère les clics, etc., etc. Alors, j'ai tellement de choses à vous montrer, mais l'heure devient tardive, et votre serviteur est fatigué. Alors, pour rester sur Zemmour, cette vidéo, je ne sais pas si je vous l'ai montrée, je vous la remontre, c'est une très très vieille vidéo que j'ai trouvée sur un très très vieux profil, donc je vous la montre. Elle dure 3 minutes, et elle démonte aussi Zemmour à l'époque. Tiens, on regarde. Éric Zemmour. Alors, c'est pas filmé terrible, mais ce qui importe, c'est de voir le sujet. Éric Zemmour, son dernier livre, Le suicide français, figure parmi les meilleures ventes. Il provoque, il convainc ou il agace, mais est-il toujours dans le vrai? En clair, ses déclarations sont-elles réellement exactes? Et notamment quand il parle d'immigration, l'un de ses sujets de prédilection. C'est l'œil du 20h pour aller au-delà des apparences avec Sébastien Lafargue et Nicolas Auer. Lorsqu'Éric Zemmour est face à un micro à la radio ou à la télévision, c'est souvent pour parler du même sujet. Il y a une immigration constante de populations venues du sud de la Méditerranée. Il faut arrêter avec cette histoire de la France pays d'immigration. L'immigration et ses chiffres, avec lesquels le polémiste prend quelques libertés. Non mais moi je suis pas un homme de chiffres, je suis un homme de lettres. L'œil du 20h a donc décidé de passer au crible les chiffres cités par Éric Zemmour. Depuis 2 ans, Éric Zemmour cite une étude de l'INSEE sur les immigrés. En octobre dernier, l'INSEE avait révélé qu'il y avait 5 millions d'étrangers et que leurs enfants de moins de 4 ans représentaient 7 millions, en tout 12 millions. Ces chiffres sont passés inaperçus. 12 millions d'étrangers en France. Éric Zemmour s'appuie sur cette étude de l'INSEE publiée en 2012. Nous sommes remontés à la source pour interroger Fabrice Langlard, l'un des responsables de cette étude. Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui qu'il y a 12 millions d'étrangers en France? Non, aujourd'hui, on compte environ 3,7 millions d'étrangers en France. On est donc très loin des 12 millions d'étrangers annoncés par le polémiste. Il y a 10 jours, sur le plateau d'On n'est pas couché, face à Émeric Caron, vous confondez tout. Mais oui. Le polémiste a répété son chiffre de 12 millions d'étrangers, dont 7 millions d'enfants. Les enfants qui sont 6 millions 7 ou 7 millions, qui sont moins de 4 ans, donc jusqu'à 18 ans, ils ne sont pas français. Ils sont étrangers, que ça vous plaise ou non. Il y aurait donc 7 millions d'enfants étrangers en France âgés de moins de 4 ans. Impossible selon l'INSEE, et ce pour une raison simple. Tous les bébés qui naissent en France, donc ça fait 800 000. Donc le nombre d'enfants de moins de 4 ans, le nombre d'enfants de moins de 4 ans en France, c'est 4 fois 800 000, 3,2 millions d'enfants. Et on compte tous les enfants qui sont nés en France. Étrangers ou français, il n'y a donc que 3 200 000 enfants de moins de 4 ans en France. Décidément, Éric Zemmour a un problème avec les chiffres. Hier encore, au micro de RMC, il affirmait: vous savez qu'aujourd'hui, un tiers des mariages, un tiers, sont avec des étrangers qui deviennent français. C'est-à-dire 90 000 sur 270 000, je crois, si mes chiffres sont exacts. En France, aujourd'hui, on compte un peu plus de 200 000 mariages par an. Et environ 13% de ces mariages unissent une personne de nationalité étrangère avec une personne de nationalité française. 13% de mariages mixtes et non pas 30. Nous avons tenté de joindre Éric Zemmour pour parler de ces chiffres, mais notre message est resté sans réponse. Voilà. Encore des Zemmourades et des mensonges sur lesquels les médias passent vite et ne reviennent pas. Alors, dans
Donc là, je vais vous montrer une nouvelle fois une de mes vidéos donc sur YouTube censurée. Je vous mets ça à l'écran. J'ai fait appel, mais bon, c'est une perte de temps. Je passe mon temps à faire des appels chez Facebook, chez YouTube. Et cette vidéo contient à peine 3 minutes de contenu de C8. C'était hardissant lorsque ils se moquaient tous là avec Goldnadel et d'autres du gilet jaune qui a été éborgné. Très courageux, très digne gilet jaune. Et que eux ils disaient oui, peut-être la police n'est pas assez formée, etc. Voilà. On se demande comment ils auraient réagi si ça aurait été eux qui auraient été éborgnés. Est-ce qu'ils auraient ils se seraient dit que peut-être les policiers n'ont pas il faut les comprendre, ils n'ont pas fait exprès. Donc voilà. C'est là j'ai fait appel de ça. Ils me l'ont bloqué, là on a du mal à lire. Ils me l'ont bloqué, et c'est cette vidéo là. Mais je passe mon temps à faire des appels de blocage. Comment peut-on encore réclamer des droits d'auteur sur des diffusions en clair et pour lesquelles on a payé la taxe sur l'audiovisuel, pour lesquels ces merdias ils ont encaissé de la pub, ça a été diffusé, c'est bon. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'ils continuent à nous racketter comme ça? Tout ça, c'est pour qu'on les critique pas. Hein. C'est le seul but, c'est la censure qui se cache derrière les droits d'auteur, il n'y a pas autre chose. Et en plus, j'ai oublié. Et on paye aux opérateurs, les box, etc. Donc on paye plusieurs fois. Hein, et ça suffit pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que on les critique pas, c'est qu'on garde pas leurs vidéos. Là, combien même d'habitude, il y a des médias ou des chansons, ils monétisent, c'est-à-dire qu'ils vont mettre des pubs sur tes vidéos et les revenus engrangés, c'est ça va directement chez eux. Pour ceux qui veulent gagner de l'argent avec leurs vidéos, donc tout l'argent qui va être retiré, qui pourra tirer des clics et des vues sur ces vidéos, et ben il n'en touche pas un centime, ça va à la maison de disques qui a les droits du morceau de musique de 1 minute 30. Qui a été utilisé dans une vidéo de 2 heures. Il est là le paradoxe. Le paradoxe, il est là. Mais à la limite, moi, il y a plein de fois, ils le font. Bon, bah, je laisse passer. De toute façon, moi, comme je vous ai dit, je n'ai encaissé aucun euro. Et tant que je peux éviter, je ne le ferai pas. À chaque fois qu'ils me disent ce morceau-là. C'est un tel Warner, je sais pas quoi, Canal Plus, France Télévision, pas France Télévision, mais Canal Plus qui va toucher des bénéfices. L'argent, je laisse faire. En moins, ce qui m'intéresse, c'est que mes vidéos restent visibles. Donc là, vous voyez si jamais vous voyez des bannières publicitaires, sachez que c'est pas pour moi. Mais là, vous avez souvent des actions pareilles, comme là, il n'y a pas d'alternative, c'est vidéo bloquée, point, basta, c'est tout, voilà. Il n'y a pas, on va toucher l'argent à ta place. Mes chers amis, on va s'arrêter là. Vous le voyez, je suis épuisé, donc je vais vous saluer. Hein. Mettons en place tout ce qu'on a dit, contacter
Russia Today, contacter Sud Radio. Voilà, faisons ça. Et puis il y a plein d'actions à mener. Je vais mettre des choses en place concernant tout ce qui est boycott intelligent, ciblé, préparer le futur acte qui arrive, l'acte 12, etc. Vous savez très bien, je suis là pour la révolution. Je suis là pour nous tous. Il n'y a pas il n'y a vraiment pas de recherche d'intérêt personnel. Ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde gagne à la fin. Un revenu universel pour tout le monde, de faire tomber cette gangrène qui est la franc-maçonnerie, que la justice devienne enfin justice libre et que les magistrats respectent les lois, hein, appliquent les lois et que je retrouve mes enfants. Voilà, c'est mon but. Et que, ben, je veux dire, nous vivons à peu près tous les mêmes injustices, donc je vous défendrai mieux que tous les autres. Donc aidez-moi à obtenir une parole. Allez, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Donc Samir Guenoun, tu es déjà parti, je crois, tout à l'heure. Bonne nuit. Daddy Nani Messirdi, bonne nuit. Mylène Chosy, bonne nuit. Élise Cuté, bonne nuit. Teddy Colin, bonne nuit. Gilbert Chabrol, bonne nuit. Nabiha Saidi, bonne nuit. Qui d'autre? Fille Belbel, bonne nuit. Ta-ta-ta. J'ai vu tout le monde. Chris Rochelich, bonne nuit. Guylaine Miras, bonne nuit. Marie-Jo, bonne nuit. Et Rolande Dumont, bonne nuit. Merci à toi aussi pour ton soutien, Rolande. Merci à vous tous, toutes celles et tous ceux que je n'aurais pas salués. Je vous souhaite pareillement une bonne nuit. Et on se retrouve donc ce soir, parce qu'on est déjà, le 29, on est déjà mardi. On se retrouve ce soir pour un nouveau live et pour continuer à approfondir donc notre coopération, notre structuration, nos actions collectives. Je vous souhaite une très belle journée de mardi. Courage aux travailleurs et on se retrouve ce soir. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit.